Florent Rangade, 24 ans, agriculteur, éleveur. Je me considère comme exploitant et paysan. Paysan, on est rattaché à la terre, à nos animaux, et exploitant, on gère une entreprise aussi. Et la gestion est très importante aussi. Depuis tout petit, j'ai toujours voulu faire ça. Ça m'a toujours plu. C'était, je sais pas, une vocation. Ça m'a attiré. Ça m'a attiré et puis bon, au final, ça a été concrétisé. Je suis originaire de Marseille et je suis arrivé ici petit, puisque ma mère s'est mariée ici. Et c'est mon père, allez, qui est originaire d'ici et qui m'a élevé. Moi, bon, j'ai pas un grand souvenir de la vie à Marseille, sur le continent. C'est sûr que de temps en temps, quand je pars sur le continent, aujourd'hui, je me dis, faut être fou pour vivre là-bas. Le stress de la vie au quotidien, ici, bon, à part le stress de la météo, des intempéries, et sinon, voilà quoi, on n'a pas ce stress-là de la ville, les embouteillages et tout le reste. Bon, depuis 2013 que je me suis installé, j'ai commencé avec 50 chèvres, j'ai agrandi le cheptel au fil des années pour en avoir aujourd'hui 160 et une trentaine de bovins aussi. J'ai démarré, j'avais rien, j'ai récupéré quelques terrains que la commune a bien voulu me louer. J'ai pu acheter un morceau, commencer à construire une bergerie, puis ça a évolué au fil des années, j'ai fait une fromagerie, maintenant même mon habitation. Voilà, j'ai commencé, je traillais à la main, j'avais pas de machine à traire, c'était dur, c'était les débuts, maintenant on commence à souffler. C'est un commencement, c'est pas fini, il y a encore beaucoup d'investissements à faire pour être bien installé, quoi. Alors au début, on rouspète. On rouspète parce qu'il n'est jamais à la maison, qu'on a peur de ne pas avoir de vie de famille. C'est le début, il ne faut pas compter les heures. Donc c'est pas évident. Et ensuite, après, quand on commence à se mettre dans le bain avec lui, on comprend que si on fait les tâches à deux, on arrive justement à fonder une vie de famille, à avoir autre chose que l'exploitation. En travaillant à deux, on arrive à réduire le temps et à pouvoir faire d'autres choses, quoi. Se libérer un week-end. Alors, avant, s'il était seul, c'était impossible, quoi. Pour lui, il ne pouvait pas se libérer. Bon, c'est un métier qu'on fait avant tout avec passion, par passion. Et voilà, c'était vivre au contact de la nature, avec mes animaux, dans un cadre quand même magnifique. Ne pas avoir de patron, être son propre patron, quoi. Et je me voyais faire que ça. Je ne me voyais pas faire autre chose. Je suis fier, j'ai démarré de zéro, j'avais même pas un morceau de terrain. Hein. J'étais toujours en étude. J'avais déjà des vues sur les terrains ici où je me suis installé. J'avais commencé les démarches pour pouvoir louer ces terrains. Et puis voilà, dès que j'ai fini mes études, je me suis installé et j'ai commencé. Voilà, donc maintenant, j'ai 24 ans. Et depuis 2013 que je suis installé, j'ai quand même fait pas mal de choses, quoi. On est aux portes des Agriates. Il y a toujours eu énormément de bergers ici. Rien que dans le coin là autour, il y avait une dizaine de bergers. Après, ça s'est perdu, ça revient doucement, et c'est très bien. Le parcours, je l'ai folissé agricole, j'ai fait 2 ans de BEP à l'époque, suivi par 2 ans de BPREA, donc ça fait quand même 4 années d'études, avant d'avoir la capacité vraiment à m'installer. Après, ça m'a beaucoup aidé, surtout sur le point de vue administratif, et puis même, on apprend beaucoup sur le sanitaire des animaux, c'est un tout, il faut faire des études, et puis c'est important de nous, c'est important. D'abord, quand j'ai quitté le lycée, j'ai voulu faire une formation pour devenir infirmière. Ça m'a toujours passionnée, voilà. Et en fait, après, j'ai rencontré Florent et tous les week-ends, je montais à l'exploitation, tout ça. Au fur et à mesure, j'ai voulu apprendre à réaliser le fromage, ça m'intéressait. Et ça m'a intéressée comme ça. Et après, je me suis fait prendre au jeu et j'ai tout arrêté pour pouvoir le suivre.
Je suis encore en formation BPRE à élevage au lycée agricole de Borgo. Je finis cette année. Et voilà, et là, après, je commencerai mon parcours à l'installation. Oh oui, on l'a déjà vécu, donc on sait un peu comment on voit les choses, quoi. C'est pas quelqu'un, on va dire, qui va faire ses dossiers d'installation, il va pas savoir quoi mettre et tout. En plus, nous, il y a déjà une exploitation. On sait ce qu'on a, on sait ce qui nous manque, on sait ce qu'il faut améliorer. Donc, c'est ça qu'il faut qu'elle fasse dans ses dossiers d'installation, quoi. Ça aide énormément. Parce que ça donne accès à des aides plus importantes, que ce soit au niveau des aides de la PAC et tout ce qui est subventions sur le matériel, les investissements. Aujourd'hui, il faut bien se dire quelque chose. C'est qu'on a, quand on s'installe, on a énormément d'investissements à faire et on peut pas, on n'a pas les moyens de mettre 100% de notre argent dans le matériel, on ne s'en sortirait pas. On a l'ODARC qui nous aide. C'est vrai, les dossiers sont longs à mettre en place et c'est compliqué, mais c'est un outil dont il faut se servir. Et voilà, il faut que les jeunes déjà s'instruisent, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'administratifs. C'est une entreprise, c'est pas, on ne s'installe pas, on ne se dit pas je vais être berger, je vais rester la journée après mes animaux. Non, ce n'est pas comme ça. C'est une entreprise aussi à gérer. Il faut avoir des capacités, quoi. Il faut avoir des capacités. Pour moi, il faut mieux se lancer jeune parce qu'on a encore le temps de fonder quelque chose, vraiment une exploitation qui tourne, quoi. On a de la marge. Jeune, c'est pas pareil. On peut faire deux travails en même temps. On peut aller faire le soir serveuse et n'importe quoi pour pouvoir gagner sa vie. Alors qu'à 40 ans, c'est plus compliqué d'avoir du travail, de gérer la vie de famille, tout ça. Si on a la motivation... Et qu'on a la passion, ouais. C'est... On peut y arriver. Si on fait le métier avec passion, c'est pas une contrainte. C'est pas une contrainte, c'est naturel. Donc, pour un jeune aujourd'hui qui veut s'installer, s'il a la passion, qui fonce, parce que ça vaut le coup, c'est une très belle expérience. Oh, la fille, attends. La fille, elle est arrivée, elle était... Moi, je suis arrivé à la maison, elle était devant le corps. Tu vois, on m'a rachelé, là. Oh, l'année type, ça commence déjà par les mises bas. C'est le commencement, c'est la base, c'est là où il ne faut pas se louper. La journée type, ça commence tous les matins par la traite, déjà de bonne heure, c'est la base. Après, tout ce qui est transformation, vente, ça dépend des saisons. On a aussi le foin à faire, s'occuper des terrains, de l'entretien, des maquisages, chaque semaine, chaque journée est différente. Voilà. Mais bon, la traite matin et soir, c'est déjà... Ça, c'est bloqué. Il faut le faire. Les chèvres, c'est pour le lait, pour faire du fromage. On traite du mois de février jusqu'au mois d'octobre. Et comme ça, on a la période estivale pour bien écouler notre marchandise. Et les veaux, pour le moment, c'est des bouchers qui me les achètent. Mais j'ai l'optique de faire un atelier de découpe et de valoriser directement ma viande, quoi. De toute façon, chaque région a à sa terre, on va dire. Le fromage, on ne peut pas le faire ici comme on le fait au Nioul ou en Balagne, dans le sud de la Corse. C'est la personne qui transforme aussi. Chaque région est différente, chaque micro-région est différente et a son fromage. C'est ce qu'elle mange aussi sur le parcours. Ici, par exemple, il y a beaucoup d'arbousiers, de myrtes. Si on va aller dans d'autres régions, c'est plutôt... Il y a des ronces, voilà quoi. Après, c'est durant l'année aussi. Chaque saison a son fromage. Au printemps, il va avoir un goût différent qu'à l'automne, enfin, et qu'à l'été. Voilà, quoi. Et ça évolue au fil de l'année. Bon, je fais essentiellement fromage frais, brot, chou affiné, un peu de minade aussi. Thank you.
Là, on est dans la première bergerie. C'est ici que tout a commencé. Oui, j'ai commencé comme il y a 50 ans. Il fallait, le temps que le bâtiment se construise, il fallait bien trouver une solution. On ne pouvait pas mettre les chèvres n'importe où. Hein. Donc, il y avait cette vieille bergerie en pierre. Là, on enfermait les cabris, on treillait là, au milieu des rochers. C'était dur. Bon, ça n'a pas duré longtemps. Hein. Ça a duré 6 mois. Et bon, je m'en sers toujours, cette bergerie. Je mets les boucs ici quand ils ne sont pas avec les chèvres et puis je les lâche derrière. Ça me rappelle des bons souvenirs parce que c'était les débuts, tout était... Le matin, j'arrivais ici, j'étais pressé, je n'endormais pas de la nuit, je voulais voir mes chèvres. Et c'est sûr que quand on se modernise, après, je me dis s'il fallait aujourd'hui que je refasse comme au début, je ne le ferais pas. Je ne le ferais pas, ça ne serait pas possible, ça serait impossible. Voilà, ça a duré un temps, il fallait faire avec et... Et puis maintenant, on a évolué. La photo que j'avais sur l'étiquette du fromage, la première photo, elle avait été prise ici. Bon, après, on avait changé la photo, mais la première, c'était ici. Jusqu'à l'année dernière, on avait cette photo-là sur l'étiquette du fromage. Voilà, là, on a une vue magnifique sur le début des Agriates, le golfe de Saint-Florent, l'exploitation qu'on voit en dessous. Et toutes les parcelles autour des packages des chèvres, les vaches en permanence. Voilà, c'est quand on monte ici, c'est époustouflant. Oh, je viens souvent, oui, au moins une fois par semaine. Des fois, on cherche des animaux, on arrive ici avec les jumelles et on voit tout. C'est l'endroit stratégique pour le plaisir aussi, le plaisir des yeux. Toujours magnifique. C'est quelque chose à voir. Hein, c'est quelque chose à voir. Sur cette exploitation, il y a quand même pas mal de matériel. Il y a déjà une machine à traire pour commencer, un bâtiment d'élevage. Après, tout ce qui est matériel de fenaison, tracteur, matériel pour entretenir les terrains et tout. Et sur l'autonomie, après, j'ai pas mal de terrains où je fais le foin parce que, bon, j'essaye d'être en autonomie fourragère, mais bon, si on a tous les ans des années comme celle-là, ça va être quand même compliqué avec l'année de sécheresse qu'on se prend. On va dire qu'on a notre compte et c'est général. Voilà, les chèvres, non, mais les bovins, je les monte en estive. Ben là, on vient de les monter, on les fera descendre fin octobre, début novembre, avant les mauvais temps de l'hiver, on va dire. On le fait encore, bon, déjà parce que les animaux, quand ils montent en montagne, c'est complètement différent. Ils n'ont pas tous ces parasites, les mouches, les tiques. Et puis, ils restent bien, ils sont plus au frais, il y a de quoi manger. Il faut le faire, il faut garder cette tradition même de monter en estive et tout. On est quand même quelques-uns dans la région à s'être installés ou à s'installer, être en parcours. Et on travaille quand même pas mal main dans la main. On sait, il y a beaucoup d'entraide chez nous dans ce coin-là, quoi, surtout sur le village et tout. Il y a beaucoup d'entraide. On a fait un groupement pastoral en 2014, mais ça fait maintenant bientôt 4 ans. On a fait pour se réapproprier le milieu en montagne, parce que c'est dans un état d'abandon. On a tout à refaire, quoi, les sentiers, les fontaines. C'est un chantier énorme. Et on a fait le groupement pastoral pour pouvoir financer aussi nos projets, des aides en commun, réouvrir le milieu, faire des brûlages dirigés, qu'on valorise nos ressources en montagne avec nos animaux. Alors maintenant, il faut évoluer, faire avec son temps. On suit les animaux par GPS quand ils sont en montagne. Donc voilà, là, je localise la vache qui a le GPS. Et là, elle est au-dessus du village de Santo Pietro, à côté en dessous d'une petite chapelle, sur le sentier. Donc on arrive à savoir pendant 300 jours, deux fois par jour, où elles sont exactement. Bon, on n'a pas besoin pendant 300 jours, puisque fin octobre, début novembre, on les fait redescendre, mais voilà, c'est une nouvelle technologie. Il faut évoluer, faire avec son temps. Et surtout au niveau du matériel, c'est là que ça a évolué. On ne traite plus à la main, on traite à la machine. Après, pour transformer aussi,
À l'époque, ça se faisait dans des cagiles en pierre et tout. Maintenant, on arrive à réguler avec les chambres froides, les clims, donc ça évolue. C'est surtout pour gagner du temps et en fatigue. Gagner en fatigue, surtout en fatigue. Ça fait 4 ans qu'on est ensemble, qu'on travaille ensemble. Et puis là, on va concrétiser un projet. On va faire carrément un GAEC pour qu'elle fasse partie de l'entreprise, de l'exploitation, quoi. On veut quand même augmenter un peu le cheptel, augmenter la production pour pouvoir vivre un peu mieux notre métier, quoi. Okay. Qu'est-ce que je fais qu'elle ne fait pas? Porter, tout ce qui est travail un peu difficile, ingrat. Après, tout ce qui est avec le matériel, les tracteurs, bon, la fenaison, les girobroyages. Après, sur la partie élevage, on se complète. Oui, il fait la traite des fois le matin, moi le soir. Enfin, on essaye de se compléter. Les mises basses, pareil, on est tous les deux. On est tous les deux. La fromagerie, c'est plutôt elle. Oui, la fromagerie. Ils sont... Commercial aussi, administration. Oui, voilà, administratif. Bon, ouais. Après, tout l'administratif... Tout ce qui est déclaration, tout ça. Comptabilité, tout ce qui est en rapport avec l'exploitation, déclaration de surface et ouais. Tout. Je m'en occupe plutôt, moi. C'est ma partie ouais. À moi. Voilà, bon, on se complète sur l'exploitation. Hein. On se complète et... Heureusement qu'on est deux. Ouais. Sinon, ça ne pourrait pas être possible. Ah, bientôt 3. On verra si elle veut faire ce métier. Oh, parfait, ça sera jamais parfait, mais ce que j'aimerais faire, c'est par exemple la transmettre à mes enfants. Donc pour pouvoir la transmettre et leur donner envie de faire ce métier qui est quand même difficile, il faut avoir une exploitation qui tourne, qui produit et qu'on arrive à bien en vivre, quoi. Une fois, il y a quelqu'un qui est venu acheter du fromage. Il est venu dans la bergerie, il y avait une chèvre. Elle le regardait, elle venait, il était content, elle s'approchait de lui. Et d'un coup, elle s'est mise à éternuer. Le type, il est parti dans un état. Il était dégoûté. Bon, il y en a eu, hein. Il y en a un, je voulais lui faire traire le bouc. C'est marrant, hein. C'est... Quand on est berger, c'est... Non, c'est vraiment...
Oh, le futur, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal d'installations, qu'il y a pas mal de jeunes qui commencent à reprendre goût au métier de l'agriculture. Donc ça, c'est déjà énorme, c'est énorme. Je pense qu'il peut y avoir un bel avenir dans l'agriculture en Corse, un très bel avenir. C'est la volonté des jeunes, voilà, maintenant. Déjà, leur donner envie, ne plus dire, voilà, l'agriculture, c'est toujours des contraintes, on ne gagne pas très bien sa vie. Non, c'est pas vrai. Quand on travaille, on gagne bien sa vie. Après, des contraintes, il y en a comme dans tous les métiers, c'est sûr. Mais c'est un métier qu'il faut faire avec passion. On ne le fait pas avec contrainte. C'est un métier qu'on vit et qu'on fait avec passion. Après, pour attirer des jeunes, il faut... Déjà, le gros problème qu'on a ici, chez nous, c'est le foncier, parce qu'il y aurait beaucoup de personnes qui voudraient s'installer. Mais on a les contraintes énormes du foncier. Pour trouver des terrains aujourd'hui, pour que les gens, déjà, veuillent faire des baux, c'est compliqué. C'est dur. Il y a plus grand... Les gens n'ont pas confiance aux agriculteurs. Ils n'ont pas confiance. Il y a eu pendant des années du laisser-aller avec... c'est vrai, quand on voyait des bovins en divagation de partout, c'était la chasse aux primes et tout. C'est pas ça aujourd'hui, c'est pas ça le métier. C'est plus ça. Oh, papy et mamie berger. Enfin, moi, j'ai la passion, c'est pas... Moi, ça m'embête pas. Après, c'est vrai que je pense à un moment donné, il faut passer la main, il faut laisser aux jeunes. Il faut laisser aux jeunes qui continuent à suivre, à faire perdurer le métier, quoi. Pour l'instant, c'est nous et on l'est encore pendant un moment, je pense, quand même. Mon kiff, c'est d'être dans ce cadre-là tous les jours et avec mes animaux. C'est énorme, c'est magnifique. On vit notre métier pleinement, quoi. Pour les gens, c'est un peu le vieil, voiture et tout. Toujours le père, il n'a pas laissé le fusil. Non, moi, je suis chaud. Il est bien là, il a tout, voiture en main. Donc, on ne va pas où il va faire la fille. La chaleur et tout. Après manger, au plus sur mon coton. Non, je mange pas. Ah, c'est où sur mon coton? Non, c'est l'apéritif. C'est ce que j'ai dit. Et ce soir aussi. Et ce soir, je devais livrer caca. Livré. Bon, demain matin, à 5h, si tu veux. Je travaille. Et à 5h, tu travailles. Ah, il travaille à 9h. Ah, monter la perle de l'or. Moi, je fais du Julia déjà. Bon, bah. Julia, ouais. Je vais me garder. Après, tu me donnes le ventre, après, tu sers. Tiens-toi bien, hein. Tiens-toi bien. Eric, t'es fini. Tu balles, hein, tu vois. Nouveaux agriculteurs. Je fais berger en tri. Comment elle est finie? Le jour, faut que je finisse. C'est monté dans le bar pour manger les sketchettes. Moi, je peux pas porter personne. Moi, je m'en fous, elle est finie. Moi, tu veux la finir, toi? Il y a le patriarche, là. Tout ça, reste au dog à pile. Salut, mec. Salut, mec. Oh, reste au dog à pile, je vais se faire chier. Hein? Où ça, ils veulent les nouvelles fraîches. C'est pas moi qui ai fait ça. 4, 5, 6, 7, 8.